Le légendaire chanteur folk nigérian Gentleman Mike Ejaga a récemment attiré l'attention internationale avec sa chanson à succès, Gwo 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 NGW. Cette chanson épique, sortie en 1983, a fait un retour incroyable sur les réseaux sociaux, révolutionnant les pistes de danse et attirant l'attention des créateurs de contenu et des célébrités du monde entier. L'histoire de cette chanson remonte à plusieurs décennies. Fondamentalement, il est profondément enraciné dans la culture Igbo du Nigeria, qui a des significations et des intérêts de longue date. Cependant, Gwo 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 NGW a récemment trouvé une nouvelle vie, propulsée par l'ère numérique et sa capacité à connecter rapidement les communautés du monde entier. Le défi de danse qui fait suite à ce renouveau est présenté par Bren Jote, comédien et créateur de contenu populaire sur les plateformes numériques. Sa création a créé une énorme vague sur les réseaux sociaux, où des milliers de personnes ont créé et partagé leurs interprétations de la danse, Gwo 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 NGW. La vidéo est vibrante, montrant des personnes de tous horizons participer à ce mouvement amusant et rythmé, donnant une nouvelle vie à une chanson qui a enchanté des générations. L'ampleur de cette situation dépasse les frontières du Nigeria. Des célébrités internationales, des danseurs professionnels, des athlètes et même des équipes sportives ont relevé le défi, ajoutant leur propre créativité pour toucher l'héritage du gentleman Mike Ejaga. Les joueuses de l'équipe féminine nigériane de football ont par exemple partagé sur Instagram une vidéo de leur danse, marquant leur arrivée à Bordeaux pour les Jeux Olympiques 2024. Re-reconnue dans le monde entier. L'attrait de « Gwo 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 NGW » va au-delà de la mélodie. La musique est porteuse d'une mémoire collective et d'une identité culturelle profonde, en particulier pour la génération actuelle qui explore et recrée les racines culturelles avec les nouvelles technologies. C'est là que réside la magie de cet article, il ne s'agit pas seulement d'une culture passée, mais d'une reconstruction de l'importance des valeurs culturelles dans un monde de plus en plus connecté mais parfois isolé de sa propre culture. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans cette innovation. Ils ont permis à des décennies de musique de renouer avec un public mondial, transcendant les barrières linguistiques et culturelles pour devenir le langage universel de la joie et de la célébration. Les concours de danse locaux sont devenus des concours internationaux où la créativité et le talent sont mis en valeur avec les chansons uniques, Gwo 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 NGW. En conclusion, la chanson, Gwo 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 NGW, du gentleman Mike Ejaga est plus qu'une chanson, c'est un événement culturel contemporain qui montre la capacité du passé à interagir avec le présent grâce au pouvoir des médias sociaux. Il s'agit d'un festival célébrant le patrimoine musical et culturel du Nigeria, animé et relancé par une communauté mondiale de fans et de créateurs.